Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports nous qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive là sur le plan national football, fin du mandat du comité de normalisation le 30 novembre prochain. Ça chemine-t-on vers un deuxième renouvellement? Entre temps, les clubs affiliés rencontrent la presse ce mardi au Backyard Restaurant à Pétionville. Football distinction, Melchida El Dumorné, Olympique Lyonnais et joueuse du mois d'octobre en France. Basketball 3 contre 3, troisième édition de l'America Cup du 30 novembre au 3 décembre à San Juan, Porto Rico. Tour préliminaire, Haïti face à l'Uruguay, face à l'Équateur le 30 novembre. À l'étranger, tennis, Masters de Turin, bon début pour l'Italie Jannik Sinner, qui domine le classe Evanos Tsitsipas. Basketball NBA fauché par une voiture, Kelly Oubre Jr., les Sixers de Philadelphie, Gagnant et Kotli cassé. Et puis football, championnat d'Espagne, 13e journée, victoire des leaders Girona, Real Madrid et FC Barcelone. Championnat d'Angleterre, 11e journée, match 4-4 entre Chelsea et Manchester City. Championnat de France, 12e journée, Paris Saint-Germain, nouveau leader, après victoire Ali 3-0, la Reims, un triplé de Kylian Mbappé. Et puis Coupe du Monde, masculine U17, Indonésie 2023. Mauvais début pour le Brésil et l'Argentine, battus respectivement par l'Iran et le Sénégal. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national. Gen les clubs affiliés à la Fédération haïtienne de football qui invite les médias pour couvrir une conférence de presse journée 4 mardi 14 novembre 2023 à 10h le matin dans Backyard Restaurant à Pétionville. Invitation ça allait venir à environ 15 jours de la fin de mandat du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football 30 novembre Kabina. Le 11 novembre 2022, le bureau du conseil de la FIFA a été décidé pour prolonger le mandat de ce comité composé du Cubain Luis Hernandez, président, de Mme Monique André et de M. Yvon Sever, membre. Bureau ça a été noté que certaines missions clés du mandat du comité pas été remplies principalement
en raison de la pandémie de COVID-19, mais aussi de la situation générale dans le pays qui a fait face à une crise politique, sécuritaire et humanitaire sans précédent. Selon toute vraisemblance, on s'achemine vers une nouvelle prolongation du mandat du comité de normalisation. En guise de rappel, comité ça a gagné les tâches suivantes. 1. Gérer les affaires courantes de la FHF. 2. Réviser les statuts de la FHF et adapter le cas échéant la réglementation pertinente afin de garantir la conformité avec les statuts et exigences de la FIFA. 3. Organiser élection au nouveau comité exécutif de la FHF sur la base des nouveaux statuts de la fédération. 4. Assurer une bonne transition des questions financières avec le nouveau comité exécutif de la FHF. N'abdotez que le 22 janvier 2021, par correspondance adressée à Carlo Mastrin, à l'époque secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, la FIFA, en référence à la décision du bureau du conseil du 11 décembre 2020, est nommé pour un mandat de 2 ans au comité de normalisation à la tête de la FHF. Décision ça de la FIFA était fait suite au événement qui était conduit à l'interdiction à vie de toute activité liée au football de l'ancien président de la FHF, le docteur Yves Jamba, ainsi que la mise à l'écart de certains de ses plus proches collaborateurs. Ce premier comité de normalisation a gagné comme président Maître Jacques Létang, nommé en février 2021. Il était par la suite, après 6 mois, remettre à démissionner au secrétaire général de la FIFA. Dans l'aide d'émission ça, il était évoqué, entre autres, qu'il n'a pas gagné ni pouvoir, ni les moyens pour remplir convenablement mission li. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point de l'actualité sportive là, sous plan national, sport et distinction, la superstar du football féminin haïtien de l'Olympique Lyonnais, Melchida, elle est du moins de 20 ans, elle est la meilleure joueuse de D1 féminine en France pour mois d'octobre. Melchida a déjà remporté ce trophée en décembre 2022 avec le stade de Reims. Depuis le début de la saison, Melchida, elle est du moins de compter 6 apparitions, donc 4 titularisations et 2 goals avec l'OL. La Grenadière lui a remporté ce prix, les lui devancé ses 2 concurrentes, grâce à Guillaume du Paris Saint-Germain et Louise Fleury du Paris FC. Tournoi de football, Imacopa, organisé par la Ligue de football de Port-de-Paix au Parc Cap-Pour-la-Mort du 10 novembre au 8 décembre pour l'obtention du trophée Saint-Pierre de regretté mémoire. Premier résultat, vendredi 10 novembre, gain Mikado FC qui fait 1-1 avec AS Dorcas, samedi 11 novembre. Victoire de Valence SC de Jean Abel au dépens de Tizami FC dans sa voleur. 1-0, basketball 3 contre 3. Pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national, calendrier de la phase qualificative de la 3e édition de l'Amérique Cup pour la fête à San Juan, Porto Rico, du 30 novembre au 3 décembre, elle est dévoilée samedi dernier. Dans le groupe A, l'équipe haïtienne, libre à l'entrée en lice contre l'Uruguay, le jeudi 30 novembre à 11h35 de la matinée avant d'y affronter l'Équateur le même jour, mais à 1h25 l'après-midi. En cas de qualification, Haïti va intégrer le groupe A de la phase finale qui gagne déjà les États-Unis et l'Argentine. Le sélectionneur national H. Salomon va dévoiler bientôt la liste des joueurs retenus pour disputer la compétition qui verra la participation des meilleures équipes de la région. Un petit pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas me tendre ces choléra qui touye Pierrot, de quoi me tendre maladie ça a t'est passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra t'est fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourné à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile. Depuis vous servir à l'eau traité pour boire et puis manger, lavez mais en à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin nos route pour entrer sous la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon. Nous faire ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio.
Haïtiens, Haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li toune, oui! Ki bo? Ki bo ou mandem? Mem bo wa? Tout pré ou la? Bo la ria? Mandel ma trente de ya? Delimat! Oui! Nou relouvri! Delimat! Delimat del ma trente de relouvri! En pimpan, pi go, pi bel! Ak plis rayon, plis produit, plis service! Delimat apre lese ou? Pour confiance au place dans lui. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de katan pour vi nou un nouveau Delimat yo. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis on t'est séparé nous Brit Soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui changé dans nous, dans vie nous, mais gen un seul engagement qui était intact. C'est respect nous gagnons une pour l'autre ak lan moun nou pou pays nous. Sel ti pays nous. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil Digicel là. Composé étoile 617 ou soit aller sur application My Digicel là, activez plan soleil pour 5 gouttes seulement et puis jouez chance gagner 100,000 gouttes Digicel là bail là. Si vous jouez chance pas, comme restez bien relax parce que c'est 100 clients qui pas jouer possibilité gagner une belle promotion ça qui pral dire 100 jours et chaque jour après un client qui pral sorti à 100,000 gouttes cap tonton meya directement sous compte mon cash li qui donc 100,000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours un petit plan bien facile pour activer et bien chanson en plein mon grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023 d'après calendrier ministère éducation nationale. Jean ça toujours fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà pris ak sipo gouvernement pour accompagner maman ak papa petit dans occasion rentrée l'école là tankou bay livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, kit scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier. Toute l'école dans pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école yo doit prendre bon gens disposition dans tête collée avec enseignants yo pour respecter date 11 septembre 2023. En respecter calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire, ça qui a permettre élèves et enseignants yo travaillent pi bien sous tout programme classe. Maman ak papa petit, parents qui responsable timoun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer timoun yo l'école depuis premier jour l'école là a l'ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour timoun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. L'école pa katann. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherchons mon école de communication. Améliorer langage ou c'est une obligation. Porte nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle session vient choisir. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, en oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphique design. Yeah, yeah. Dans Sénacom, nous avons spécial auto-école, non seulement yon mwa kavin choufe. Et puis, il va t'y choufe tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEM, local du centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir.
Yo bro, t'es quoi dit m'sie dame ça que j'aime vivre ici dans la salle? Bon, comment le fait en forme comme ça? En tout cas bro, elle est moins en forme vrai, bah privé non papa, pour qu'on soit pas capon. Cher. Bon, qu'est-ce que ça vous dit là? Ou pas informé? Un monde qui gagne vivre ici là, c'est un qu'on n'importe maladie qu'on est qui, tant qu'ou maladie que psychique, tension. Et puis tout, les pays où nous prenons des médicaments, la mener vie familiale, aller à l'école, à travail, normalement, oui. Crété, Régine, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Moi, mes docteurs, oui. Crété, vous avez oublié. Et puis, moi informé en pile sur sujet là. Y a un monde qui gagne j'aime sida, qui toujours bien prend médicaments ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, les babka bay yon l'autre monde sida n'a fait sexe. C'est un coup vis la tête disparaître dans sang. Oh! Disparaître dans sang même, ça veut dire, il n'y a pas gagné encore? Il toujours gagné. Mais, grâce à ce médicament ARVO, quand c'est un virus qui est tellement petit, test avec examen laboratoire pas même arrivé détecter. Mais, il faut que toujours prenne médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information, c'est gros causé. Pour moi, depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information, ça fait nous faire une pile discrimination vraiment. Informe dans de timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est yon message, Ministère Santé Publique PNLS, grâce à Sipo Technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale ak international sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, vous connaissez sous plan international, rubrique championnat européen en Espagne, c'était 13e journée. Weekend qui s'est passé, il y a Athletic Bilbao qui bat Celta Vigo 4-3. Girona en déplacement bat Rayo Vallecano 2-1. Real Sociedad en déplacement bat Almeria 3-1. Et là, entre Osasuna et Las Palmas, même score entre Granada et Getafe. Belle victoire Real Madrid, 5-1 au dépens de Valence, Cavani et Luis Scola, Vinicius Junior réalise un doublé, Rodrigo réalise un doublé. FC Barcelone, grâce à un doublé de Lewandowski, bat à la veste difficilement 2-1. 1-1 entre FC Séville et Real Betis, victoire de Atlético Madrid, 3-1 au dépens de Villarreal. Classement Girona en tête avec 34 points, deuxième Real Madrid 32 points, troisième FC Barcelone 30 points, quatrième Atlético Madrid 28 points, cinquième Atlético Bilbao avec 24 points. En Angleterre, c'était 12e journée à tout résultat. Wolverhampton bat Tottenham 2-1. Manchester United bat Luton Town 1-0. Arsenal bat Burnley 3-1. Everton en déplacement bat Crystal Palace 3-2. Victoire de Bournemouth 2-0 dépens de Newcastle. Aston Villa fait tomber Fulham 3-1. 1-1 entre Brighton et Sheffield United. West Ham bat Nottingham Forest 3-2. Liverpool fait une belle victoire 3-0 dépens de Brentford. Match spectaculaire entre Chelsea et Manchester City 4-4, Manchester City en tête avec 28 points, deuxième maintenant Liverpool 27 points, troisième Arsenal 27 points, quatrième Tottenham 26 points, cinquième Aston Villa 25 points, sixième Manchester United 21 points, dixième Chelsea avec 16 points. En Italie, 12e journée, tout résultat 2-2 entre Sassuolo et Salernitana, Genoa bat Verona 1-0, 2-2 entre Lecce et Milan AC, Juventus bat Cagliari 2-1, 1-1 entre Monza et Torino, Empoli en déplacement bat Naples 1-0, Fiorentina bat Bologne 2-1, 1-1 entre Udinese et Atalanta, 0-0 dans le derby romain entre la Lazio et la Roma, et puis Inter bat Frosinone 2-0, Inter consolidé position leader l'IA avec 31 points, deuxième Juventus 29 points, troisième Milan c'est 23 points, quatrième c'est Naples 21 points, cinquième Atalanta avec 20 points. En France, c'était 12e journée à week-end qui se passait à Montpellier-Nice 0-0. Paris Saint-Germain, grâce à un triplé de Kylian Mbappé, bat Reims sans déplacement 3-0. 0-0 entre Le Havre et Monaco. Clermont Foot bat Lorient 1-0. Metz bat Nantes 3-1. 1-1 entre Lille et Toulouse. Lyon Albatren 1-0. Et puis Lens bat Marseille 1-0. Match Brest-Strasbourg l'a reporté. Premier pour le moment, c'est Paris Saint-Germain 27 points. Deuxième Nice 26 points. Troisième Monaco 24 points. Quatrième Lille 20 points. Cinquième Rennes. Alors Reims, 5e Reims avec 20 points, 10e seulement Marseille avec 13 points. En Allemagne, tout résultat 11e journée. Mönchengladbach bat Wolfsburg 4-0, 0-0 entre Darmstadt et Mayence, 1-1 entre Augsbourg et Hoffenheim. Gagné Bayern Munich grâce à un doublé de Kane, qui bat Endenheim 4-2. Stuttgart bat Dortmund 2-1, 1-1 entre Bochum et Cologne.
Leverkusen bat Union Berlin 4-0, 2-2 entre Werder Bremen et Eintracht Frankfurt, RB Leipzig bat Fribourg 3-1. Leverkusen solide 2 avec 31 points, 2e Bayern Munich 29 points, 3e Stuttgart 24 points, 4e Leipzig 23 points, 5e Dortmund avec 21 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là toujours sur plan international après le match 1-1 de l'Équateur face à l'Indonésie vendredi et la défaite samedi du Brésil 2-3 contre l'Iran et de l'Argentine 1-2 face au Sénégal samedi. Venezuela a porté sa première victoire dans la Coupe du monde masculine U17 à Bozone Amérique du Sud là. Les Lidontés Nouvelle-Zélande 3-0 dimanche. Alors le point dans différents groupes. Yo. Groupe a déjà joué, Maroc te bat Panama 2-0. 1-1 entre Indonésie et Équateur. Et groupe B, gagne Mali qui bat Ouzbékistan 3-0. Espagne bat Canada 2-0. Groupe C, samedi, Iran bat Brésil 3-2. 0-0 entre Nouvelle-Calédonie et l'Angleterre. Ce mardi 14 novembre, 4h, Brésil-Nouvelle-Calédonie. 7h, Angleterre-Iran. Groupe D, Argentine-Sénégal, victoire du Sénégal 2-1. Japon bat Pologne 1-0 ce mardi 4h. Sénégal-Pologne, 7h, Japon-Argentine. Groupe E, dimanche 12 novembre, il y a la France qui bat Burkina Faso 3-0. États-Unis bat Corée du Sud 3-1. Mercredi 15 novembre, 4h du matin, États-Unis-Burkina Faso. 7h du matin, France-Corée du Sud. Groupe F, Venezuela bat Nouvelle-Zélande 3-0. Allemagne bat Mexique 3-1. Mercredi 15 novembre, 4h du matin. Mexique-Venezuela, 7h du matin. Nouvelle-Zélande, Allemagne. On a bien rappelé différents groupes. Le groupe A, Maroc, Équateur, Indonésie, Panama. Groupe B, Mali, Canada, Espagne, Ouzbékistan. Groupe C, Anouvienne, Brésil, Angleterre, Iran, Nouvelle-Calédonie. Groupe D, Agen, Argentine, Japon, Pologne, Sénégal. Groupe E, Burkina Faso, France, Corée du Sud avec États-Unis. Et puis le groupe F, Agen, Allemagne, Mexique, Nouvelle-Zélande, Venezuela. Coupe du Monde, U17 de moins et de 17 ans. Nous sommes capables de dire justement, et qui a pu dérouler en Indonésie ce 10 novembre pour arriver 2 décembre. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, Zami Auditeur Tennis, l'Italien Jannik Sinner, il dominé dimanche le grec Stefanos Tsitsipas 6-4-6-4. Lors de premier rencontre, Master Turin, Sinner 4e mondial, il n'est pas de jambes inquiété par adversaire LIA 6e au classement ATP, vainqueur de l'épreuve en 2019. Les Canadiens ont remporté la première Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup de leur histoire dimanche à Séville en Espagne face à l'Italie. Ils ont remporté les deux simples. Léla Fernandez, 21 ans et 35e mondial, il t'a offert le trophée au Canada après sa victoire en 2-7 contre l'Italienne de 27 ans, Jasmine Paolini, 30e mondial en 2-7-6-2-6-3. Bien avant, Marina Stakusic t'a écarté Martina Trevisan en 2-7-5-6-3. Les Canadiens ont succédé au succès championne lors de l'édition 2022. Enfin, basketball NBA et Kelly Oubre Junior les fauché par une machine samedi alors qu'il t'a baladé à pied près de sa résidence alors qu'il avait bien rebondi aux Sixers depuis le début de la saison au point d'intégrer le 5 majeur. Voilà un nouveau pépin qui venait briser l'année, transporté à l'hôpital dans un état stable. Il en est depuis sorti, mais il devrait manquer une période significative en raison de ses multiples blessures. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine l'actualité sportive la Super National Football, fin du mandat du comité de normalisation le 30 novembre prochain, s'achemine-t-on vers un deuxième renouvellement. Entre-temps, les clubs affiliés rencontrent la presse ce mardi au Backyard Restaurant à Pétionville. Football distinction, Merci d'aller du Monet, Olympique Lyonnais, les joueuses du mois d'octobre en France.
basketball 3 contre 3, 3e édition de l'America Cup 30 novembre au 3 décembre à San Juan, Porto Rico. Tout préliminaire, Haïti face à l'Uruguay, face à l'Équateur le 30 novembre. À l'étranger, tennis, Master de Turin, bon début pour l'Italie, Jannik Sinner, qui dominait la classe Evanos Tsitsipas. Basketball NBA, fauché par une voiture, Kelly Oubre Jr., des Sixers de Philadelphie, il y a plusieurs côtes qui cassaient. Football, championnat d'Espagne, 13e journée, victoire des leaders, Girona, Real Madrid, AFC Barcelone. Championnat d'Angleterre, 11e journée, match 4-4 entre Chelsea et Manchester City. Championnat de France, 12e journée, Paris Saint-Germain, nouveau leader, après victoire 3-0, la Rennes sur un triplé de Kylian Mbappé. Coupe du monde masculine, U17, Indonésie 2023. Mauvais début pour le Brésil et l'Argentine, battus respectivement par l'Iran et le Sénégal. Alter Sport arrivé dans le bout, les amis auditeurs, merci un pile pour attention. Merci à collaborateur nous, Jules Sandewa, qui est la réalisation. Hein. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Édition Journal ça, on a venu à podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. La qui pipiti, mission ça, on accomplit. Même bête l'embois, pas quitter péri. Victoire pour la reine, victoire. C'est parler de victoire, Koulia. D'après Dieu, la rodier la vie. Nous toutes faites pour nous gagner même droit. Quand on vous frappe, pour nous crier, vivre plaisir gaillé. C'est pour nous capables de penser, ça nous t'a vu. Chita calme de marché, fait payer à marché. J'ai pas voulu de m'encontrer. Orientation pour tout le monde demain. N'a guin temps fait grand cause. Les nous tout avoir est clair. N'a mérité tout bon vrai. Pour une flèche histoire. Cabane avant dormir l'angel. Ah oui, c'est l'espèce femme longtemps. C'est pas vrai qui manque. C'est quoi j'aime qui divise. On connaît, connaît l'ami. Pour une nouvelle Haïti. L'ami boit caïm en vêtière. Il plante nos consciences.
Alter Radio, l'i fè. Inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou ne oui. Ki bo? Ki bo ou mandem? Mem bo wa? Tou pre ou la? Bo la ria? Nan Delma 32? Delimat! Oui! Nou relouvri! Delimat! Delimat Delma 32 relouvri! An pepan, pi gwo, pi bel! Ak plis reyon, plis prodwi, plis servis! Delimat apre mersi ou pou konfians ou plase nan li. Ah, kanta sa! E se pou sa, pil ban ak paket kliyen Delma nou yo, pat katan pou vi nou e nouvo Delimat yo wa. E nou men, hey, ou kwa se kontan, nou kontan wè moun nou yo? Sa fe preske 5 an, oui, depi yo te separe nou Brit Soukou. Se seten, gen pil bagay ki chanje nan nou, nan vi nou, men gen ou sel angajman ki rete intak. Se respè nou genyen yon pou lot ak lan moun nou pou peyi nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le sénateur américain Tim Scott s'est retiré le dimanche 12 novembre au soir de la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, devenant le dernier rival en date de Donald Trump à jeter l'éponge. Ce sénateur de Caroline du Sud, qui rêvait ouvertement de devenir le premier président républicain noir de l'histoire des États-Unis, n'a pas réussi à faire véritablement décoller sa campagne pour se hisser dans le peloton de tête des aspirants républicains, écrit l'AFP. Europe, le premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé lundi 13 novembre sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman sur la sellette depuis des critiques adressées à la police dans le cadre d'un remaniement à l'approche des législatives de l'année prochaine, ont affirmé plusieurs médias britanniques. James Cleverly, 54 ans, est nommé à l'intérieur en remplacement de Suella Braverman. Nommé à la tête de la diplomatie britannique par Liz Truss en septembre 2022, puis reconduit le mois suivant par Rishi Sunak, James Cleverly, élu de l'Essex, est de l'Angleterre, depuis 2015 et alors peu connu sur la scène politique britannique, a gagné en visibilité. Il a été mobilisé tant sur le dossier de la guerre en Ukraine que sur le conflit entre Israël et le Hamas, multipliant les déplacements au Moyen-Orient ces dernières semaines. L'ancien premier ministre britannique David Cameron a été nommé lundi 13 novembre ministre des Affaires étrangères, marquant un retour en politique aussi spectaculaire qu'inattendu pour celui qui avait déclenché le référendum sur le Brexit en 2016, a annoncé Downing Street. Âgé de 57 ans, David Cameron prend la tête de la diplomatie britannique à la suite du départ de James Cleverly, choisi par le premier ministre Rishi Sunak pour succéder à l'intérieur à Suella Braverman,